This is your home. This is your family room, / gym. The guest bedroom. Et on salue nous toutes. Et je salue tout le monde, esprit libre, sentinelle dernier temps. Je salue nous connaissons maintenant en ville. Et nous ensemble de questions qui ont soulevé autour de problématiques de la question haïtienne. Vous voyez, la question haïtienne. Les fondamentales pour nous capables d'aborder problématique ça. Et les pas qui t'aiment différent non plus. Pas qui t'aiment différent. C'est une raison qui fait que là je dis tout, qui fait m'inscrire tête dans la dynamique pour me capable de dispenser un ensemble de connaissances et de savoirs qui vous permettent de nous arriver et cultiver l'esprit critique nous et même prendre des reculs vis-à-vis un ensemble de connaissances qu'a véhiculé surtout à travers les réseaux sociaux. M'a parlé de types de connaissances classiques, type traditionnelles que nous devons habituer chez moi. Besoin arriver à un point côté que besoin permettre nous prendre conscience de état réalité pays d'Haïti. Ça nous entend par société plus souvent en plus dans nous penser que nous sommes obligés de faire de grandes études, ou bien pour nous te chita à Paris 1, Panthéon Sorbonne, ou bien faire l'INA, ou bien en quelque sorte fréquenter les universités occidentales pour nous être capables de vivre, cerner la réalité du pays d'Haïti maintenant. Ce n'est pas forcément vrai. C'est bien malheureux, je ne veux dire, nous trouver dans cette situation. Ça. Vous savez, il y a une difficulté majeure. Pour jeunesse haïtienne qui a grandi, qui a venu là, essayer de définir tête dans le bouillaya que la société haïtienne a mis. Ceci étant dit que, et dans différents types de connaissances, de savoir que yo exposé à jeunesse. Non, jeunesse a pas cool. Comment, il n'y a pas des outils, il n'y a pas des équipements dans même pour le faire triage. Un modèle ça. Et vous savez que société, ça nous gagne aujourd'hui, hein, il rencontre une difficulté majeure pour construire ce qu'on appelle des modèles. Des modèles, pour quelle raison? En réalité, tout modèle qu'on a construit pour nous, c'est des modèles qui sortirent de l'Occident. Et ça me l'est dit par là, nous sommes capables de remarquer sur les réseaux sociaux depuis quelques temps, et pour un petit monde ou un jeune garçon réussi dans la société haïtienne, du point de vue académique, faut que petit monde ça, jeune garçon ça, tu as passé en France, tu étudies en France ou bien au Canada ou bien et États-Unis. Maintenant, faut comprendre que à ce niveau-là, critère de réussite sociale jeunesse là, l'ichita en Occident. Pas rien à sortir de là. C'est ça yo vend nous depuis plus passé 200 ans. Et li son situation qui et qui vraiment irritant et moi sidéré les m'a regardé dans qui état niveau aliénation rié en dans société haïtienne. Et le pire
Je me rends compte que mon aliénation consentie, voulue, il y a une sorte de servitude mentale, voulue, acceptée. Crise d'identité a tellement profonde dans la société haïtienne que nous accepter de façon naturelle, aliéner, nous soumettre l'esprit noir à l'Occident. Et ceci, dans toute sa affaire dans la société haïtienne, tous ces modèles Occident. Vous voyez, ne pas considérer moun comme intellectuel dans le pays, hein, tout autant pas passer en Europe. Tout autant monsieur Leblanc, pas balle, licence, pas balle, diplôme. Et c'est grave. Et c'est grave. Et n'a pas posé cette question pour qui ils ont échoué dans la réalité vie. Ou imaginons, nous, dans le 21e siècle, nous fait 200 ans. Jusqu'à maintenant, ma palais avant là. Tout pays a battu, redéfini tête, redéfini rapport avec l'Occident. Que ce soit au niveau culturel, économique, politique. T'as redéfini tes pieds. Les amis de l'Occident. Excepté Haïti. Voyez. C'est une situation extrêmement grave. Haïtien délibérément. Pour un plaisir. Pour le porter l'esprit de l'Occident. Colonisé. Voyez, longtemps, il était contre forcé ou, il était contre forcé blanc, il était contre forcé ou, pour coloniser l'esprit, il était contre minimum de résistance, qui était contre fête, il était contre assister au minimum de résistance. Maintenant, nous vîmes tellement arriver dans le niveau qui bat, c'est haïtien. Haïtien. Qui peut être tête li, by blanc pour coloniser. Et ceci, avec une fierté. Vous voyez, avec une sorte de fierté. C'est gros causé, dans nos pays, ou nos sociétés, tout ça y a promoté qui bon. C'est caille blanche aussi. Tout ça, société avant nous, comme bon, c'est caille monsieur les blancs aussi. Ça montre que son société qui finit. Parce que tout ça de bon, c'est importé, n'importe où. Il montre clair, il n'a pas une incapacité pour le produit. C'est-à-dire capacité de production, société ça. Il est fini. Nous tombons dans une situation d'assistanat. Nous assister intellectuellement. Nous assister moralement, nous assister politiquement, nous assister économiquement, nous assister institutionnellement, et même dans l'unité, nous assister. Nous finis
en tant que monde, en tant que nation, en tant que peuple, en tant que société. Si ou pas étudié en Europe, société haïtienne n'a pas gado comme moun. Si ou pas de un diplôme étranger, non mais, société a pas gado comme moun. Ou pas de valeur. Ouais, m'a dit nous ça là. Ouais, m'a dit nous ça là. Nous prenons ça comme jouet. Nous devons penser que c'est un problème. Je n'ai pas aucun problème avec qui que ce soit. Moi-même, m'étudiant en Europe. Moi-même, je fréquente l'université française. Mais c'est sidérant pour nous à notre qui niveau. Élite, soi-disant, qui en Haïti, consciemment, accepter, soumettre l'esprit à domination l'Occident. C'est dur. C'est dur. Il y a des fois, m'a parlé, il y a des gens qui ne pas comprendre, vous savez. Et, m'a respecte pour comprendre. Et pas tout le monde, respecte pour comprendre les m'a parlé. Vous savez, il m'a pris du temps aussi pour me comprendre ce que des gens qui ont parlé. Parce que m'a bien base épistémologique requise pour me comprendre ce que des philosophes qui ont parlé. Mais je me bats à la hauteur pour ça. Je me bats au préquisite pour ça. C'est normal. Vous voyez, un homme. Nous avons une société qui accepte naturellement pour le dominer. Nous avons un groupe monde. Une classe dominante en dedans de société qui naturellement accepte domination étrangère dans toute forme. Et c'est l'esprit nation même qui servile, qui rabaisse, qui tombé. Ben, nous revenons au point côté que on va demander est-ce que c'est qu'on perd de temps avec la nation ça. Nous avons une conversation hier avec nos amis. Oui, et monsieur était avec ma pari. Alors, monsieur est toujours à Paris. Et puis monsieur est les hier, et puis nous a parlé. Et puis monsieur fait mon remarque. Monsieur dit Lavoisier. Et t'aimes dire un bagage. Voyez, il dit, nous connons, nous vivons ensemble en France. Il dit, nous connaissons un mec qui est très optimiste. Surtout, il n'a pas abordé la question haïtienne. Il dit, ouais, j'en donne d'un coup. Travail à faire. Haïtien pour qu'on arrive, préparé pour comprendre ce affaire-là. Voyez. J'ai dit moi-même. Je vis en France. Je ne sais pas combien de temps je suis à Haïti. Il dit, je m'attends des lives. Je prends le temps pour me donner.
Il dit, ti nèg doit être grand en Haïti pour qu'on ait niveau. Pour ça. Il dit, la voisine m'a dit ça avec tout le monde. J'ai dit, le plus facile pour mourir que Haïtien, entendez-vous. Ah, dit monsieur. Il dit, tant pis, camarade Frem, quittez-moi, je vous dis ça, m'a dit à tout le monde. Il dit, Haïtien frem, pour qu'on ait un niveau, pour comprendre la dimension du travail à faire. Dans le niveau, il va évoluer là. Mode de discours que vous avez là. Ensemble de connaissances, va dispenser ça. Il n'est pas fait pour société ça. Il n'est pas fait pour modèle. Peuple. On fait là là. Et donc, on a une grosse erreur de jugement fait. Monsieur dit ça, vous dit. Dit monsieur ça, vous dit. Il dit, il dit, il dit, bien. Il dit, vous connaissez si c'est un anglais. Vous avez dispensé connaissance ça. Il dit, m'abdou ça avec tout kem. A m'a une petite conversation avec monsieur hier. Nous fait près de 2 heures de temps à parler. J'ai dit, m'abdou à tout ça, tout kem. Il dit, ouais, si c'est en anglais, ou t'as dispensé connaissance ça. Si audience ou, c'était anglophone, l'idée. Et même, francophone, avec des gens qui parlent bon français. Vous avez dispensé connaissance ça en anglais. Il dit frère, m'abdou ça. C'est admiration sur admiration que vous avez besoin. Il dit c'est poté et bourré. Moun t'a poté et bourré. Anglais a t'a poté et bourré. Il dit t'aimes d'où m'a. Il dit ou pas avoir une friction entre ou même avec l'audience là. Il dit ou pas avoir une friction entre ou même avec l'audience là. Auditoire ou à. Avec moun yo haïtien. Sauf les faits. Mais ça, vous voulez faire ça. Ou pas avoir une friction. Il dit, c'est pas son problème de niveau, oui, là, camarade. Il dit, frère, son problème de niveau, qu'il a. Il dit, Zami, incompréhension sortie d'un niveau qu'on y a. Le niveau y est, même basic yo, si n'a pas être green dans beaucoup comprendre. Basic. Il dit, m'bal bon exemple. Monsieur dit, m'bal bon exemple. Monsieur dit, vous font live. Il dit, là, il s'en fait, l'idée est pour le faire 20 ans à 30 ans encore pour mieux comprendre là, déjà. 20 ans à 30 ans. À 30 ans. Il dit, vous avez un problème qui gagne là.
Il dit ou trop naturel. Il dit problème ou la voisine ou trop naturel. Ou pas même conscient de qui sort dans le monde et de qui sort fait. Il dit ou pas même conscient. Il dit yon n'a plus gros problème ou gen. Ou a chuté sous l'Occident. Ou a essayé ouvrir les yeux. Ti nèg bata gen sous l'Occident. Pendant ou a bataille pour ouvrir les yeux. Ti nèg bata gen sous l'Occident. Ti nèg bata gen a assassiné. Ti nèg bata pareil pour satisfaire l'Occident. Il dit t'aime du bien. Peut-être que tu dois pas finir comprendre ça me dit. Hein? Il dit m'ba là pour me faire moral ou non la voisine. M'ba faire moral ou frère. Il dit pendant a pointé l'Occident du doigt. Ti nèg bata gen a assassiné frère pour le faire monsieur le blanc l'Occident plaisir. Il dit où est ou parler de Dani la Ferrière que la France honoré dans l'Académie française. Il dit, où est vous m'avez dossier ça avec une acuité extraordinaire. Il dit, frère, vous devez mourir. Il dit, vous supposez mourir. Parce que la France construit un modèle pour t'y n'aigre ma tête green haïtien en Haïti. Il dit, permettez-vous à le camper face à modèle là. La France construit pour t'y n'aigre ma tête green. Il dit, vous supposez mourir. Il dit, ça me doit longue, il doit pas finir comprendre, ça me doit. Il dit, quoi me souvler? Monsieur dit c'est normal. Pour jeune résistance ça. Ton bagage naturel. Parce que il y a des préparatifs. On peut supposer gagner avant Bali. Niveau de connaissance soit dispensé à là. Il dit, bon, je suis sur les sociaux à vous. Il dit, bon, je suis sur les sociaux. Il dit où est l'éducation? Avec information. Il dit changer méthode. Il dit paraître par information. Pas faire éducation. Pas dispenser connaissance, pas dispenser savoir. Paraître par information. Juste par information. Dis-toi, voler, ou arrêter. Dit président pays, y a tel bagaille. Il dit, pas information. Il dit, pas éducation, pas information. Il dit, ouais, pour vous comme ça. Vous n'avez pas si n'est pas n'avez pas bah, information. Parce que, il dit, son peuple, il est dressé pour ne pas réfléchir. Il pas appelé, yo interdit de réfléchir. C'est consommer. Yo apprendre ni pour le consommer. Yo pas apprendre ni produit. Yo pas apprendre ni produit.
C'est non état d'esprit au mettez le même, de conditionner nous ça. Il dit c'est consommer pour balle pour le consommer. Mais difficulté d'y gagner pour réfléchir, il n'y a pas prêcher mais ça. Il dit la pensée n'est pas faite pour tout le monde. La pensée n'est pas faite pour tout le monde. Il dit bas l'information pour le consommer. Fais propagande. Rélez vive. Rélez à bas. Fais de la bêtise. Et puis la consommer la boue. La consommer la boue, la consommer la boue. Consommer. Bali information pour le consommer. Mais pas faire pièce analyse. Critique. Avec pour cultiver l'esprit. Yo interdit ça. Ton bagay, yo interdit. Il dit, vous parlez à contre-courant. Ou pas à populer. Parce que, non. À contre-courant, pour aller, il demande un pile courage. Il dit, c'est une raison qu'il faut gagner. Courage ou gagner pour prendre méthode ou utiliser, il n'y a pas tout le monde qui t'appelle, non? Monsieur dit, alors nous étudions ensemble, ouais, monsieur c'est camarade de classement, nous étudions ensemble à Paris, hein? Monsieur dit, Lavoisier, et m'ba jaloux, non, on est m'ba jaloux. Maintenant, je vis ma vie à Paris, mais m'ba des problèmes avec, du fait qu'on prend direction France, cependant, et lorsque nous t'avons étudié à Paris, où t'es connu Jean Bagayoté, il dit, est-ce qu'on change Diogène? Ou changer l'histoire du Diogène, le fameux Diogène de la Grèce antique. Il dit, vous connaissez Diogène, dès qu'on a masturbé en plein jour. Et nous connaissons, comment Diogène, son nègre qui était vraiment considéré asocial. Mode de vie, Diogène. Il dit, mais où? En réalité, ou pas jamais posé, nous sommes gênés qu'on a posé peut-être une question, comment se fait que, à l'université, il y a enseigné nous Diogène? Qui se masturbait en plein jour. Qui a choqué la société grecque antique. Allez. Allez, on a étudié le cynisme. Le conseiller Diogène comme le cynique, il dit, mais qui intérêt à l'université pour enseigner Diogène qui masturbé en plein jour, qui bat la poignette en plein jour dans le figuier tout le monde. Le Diogène rencontré Alexandre le Grand sous le début dit, Alexandre le Grand barré, il dit, au toit de mon soleil. Où changez tout le bagage ça? Il dit, il dit, il dit, ou t'es parlé de quatre, Jésus parlé de quatre T. Un semeur sorti pour le semer, les lagues semences dans quatre T. Il dit, mais un bon grain de terre, il vaut du fruit. Il dit, philosophie, sagesse qui cachait dans la parole, Jésus.
La montrer au niveau ignorance. Et ça, monsieur dit, il dit, les Jésus dit, yon semé sorti pour le semer, les lagues semences li nan kapte. Il dit, raison qui fait semeur la lagué, semence la nan kapte. C'est parce que semeur la li ignorant de nature terre. Il dit, semeur la partie du postulat que tout terre au bon. C'est ça qui fait lagué graine dans toute terre. Il dit, mais si semeur là, te prend du temps pour te étudier nature terre, il pas perdu grain ni pour laguer la terre, la terre. Il t'a dit qu'on est ça. Ou a besoin de laguer grain là-dedans, mais c'est pas produit. Sagesse, mais je montre à travers le message là. Parabole ça. Il y a un travail préalable. Il y a un travail préalable qui suppose fait pour identifier et comprendre la nature terrien. De quoi pour pas jeter perle au chien. De peur que chien pas retourner pour le monde. Il dit ouais, la problématique de la nature humaine. Alors, la philosophe, alors, on connaît nous dans la même classe, on a philosophé ensemble. Et puis, nous tombons dans la problématique de la nature humaine. Je dis, dans le débat chaud, il y a moi et ma monsieur. Et monsieur dit Lavoisier, écoutez. Si ce meurt a été connu, trois premiers temps ou pas bon. Il n'y a pas perdu ni temps, ni énergie, ni semence pour vider semence là-dedans. Il t'a parlé directement dans le bon terre. L'étape gagne un temps. L'étape gagne un temps. L'étape fait moins de travail. Et le travail est plus efficace. Parce que le travail à ce niveau-là, l'étape sélectif. L'étape wise. L'étape sage. Mais puisque il y a un travail préalable que ce mec n'a pas fait. Il oublie. J'ai sorti. Il largué ce monstre dans toute terre. Parce que le pas qu'on est dans toute terre. Et y a une problématique. Mais c'est avant ce qu'il faut. Dans la parabole, ça. C'est que. Qui ça qui surprend? Ce mensonge. Ce mur-là. Il dit Blodeur. Use temps, use énergie. Utilisez temps, utilisez énergie. Plus noble. Il dit, moi, j'ai un problème avec Claude. Il dit, mais j'ai un problème avec Claude. Il dit, mais c'est ça, il paraît en perception. Il dit, moi, j'ai un problème avec Claude. Mais c'est sa perception montrée. Il dit parce qu'on est radical,
Ou son nek ki direk. Ou son nek ki droit. Sa wap di an. Ou dwe dil. Ou a bezwen konnen si se pa fè konsiderasyon de zanm. Il di, model dom ou yi natyo ou sa wap bay ou. Sosyete a pou ko ekipe pou moun jan ou. Si sa fè ya pou ou gen konfli avèk l'oud. Ya bon, li di mette m don ti madam l'oude. Peuple a demandé Barabbas. Peuple a demandé pour libérer Barabbas, pour crucifier Christ. Il dit, this is the thing. Il dit, gon wisdom, gon sagesse ou manqué la voisine. Gon sagesse ou manqué. En ou ka fè, ou ap fè stroke, ou ap bagay, but gon wisdom ou manqué. Ou ap permet, m'di misi m'a fè la ou souli. Anyway, m'di di misi m'a fè la ou souli, but misi di mou met, li di, li di, listen, à ce niveau, faut comprendre bien. Il dit, écoutez bien. Il dit, bon wisdom, bon sorte de sagesse qu'on manquait. Alors, il va parler de sagesse dans le sens docilité. Il va parler de sagesse dans le sens de insight, comme si on prend compréhension des deux. Monsieur dit, faites attention que le peuple proclamé Barabbas. Proclamer Barabbas. Et le Christ, il a dit crucifié. Maintenant, réponse Christ par rapport à le choix peuple, c'est pardonner parce que pas comme ça fait. Effectivement, c'est l'ignorance du peuple qui fait choisir Barabbas. Vous voyez, les fausses ténèbres la couvrir un peuple. Il n'y a pas qu'à faire un choix de lumière. C'est impossible. Il dit les fausses ténèbres couvrir un peuple. La voisine, les fausses ténèbres couvrir un peuple. C'est impossible pour faire un choix de lumière. Il dit, je ne suis pas optimiste, non? Il dit, je suis réaliste. Parce que esclave, pas qu'on honore bon bagay. Et il dit, Jésus pas t'attend. Peuple a t'a pas choisi le tout, non? Parce que, en réalité, fausse ténèbre là qui couvre le peuple là, pas qu'à fausser, pas qu'à montrer le bon bagage. Il pas qu'à choisir le bon bagage. Il dit le pire. Ou pas qu'à descendre plus bas. Ou pas qu'à jeune peuple là. Non. Il dit ou pas capable. Il dit pas aller ou pas aller, non. Il dit même d'où bien. Descends ou descends plus bas. Voilà, jeune peuple là. C'est la mort assurée et garantie.
Il dit la mort assurée et garantie. Descends du bas. La mort assurée et garantie. Et tu t'aimes du bien. C'est pas pour sans raison, non? Nèg yo, make sure yo prend doctorat yo. Et puis yo descend en Haïti. Nèg yo konnen si yo pas descend à doctorat. C'est un niveau peuple priorité. Léo descend à doctorat. Il a toujours été en l'air. Malgré yo là. Mais yo en l'air. Parce que modèle là. C'est blanc. Référence, non? C'est l'Occident. Mais si on si descend sans doctorat, il n'y a pas rien, non? Même parole, yo, même l'aile bon ou pas, il n'y a pas mis dans rien, non? C'est la domination. C'est le contrôle. Maintenant, me laissez-moi. Me laissez-moi emporter par élan philosophique là, que camarade moi fait maintenant. Et puis, là, il nous toujours un petit échange à eux. Et puis, il me dit bon, il revient à moi-même maintenant pour me répondre. Ouais, il revient à moi-même pour me répondre, parce que après qu'il me finit dans une série de conseils aussi sages, nobles, comment qu'on y a à moi-même, faut me répondre, faut m'écouter, on me dit que, on m'a une réponse quand même, pour, je ne dirais pas approprié, mais faut m'a un bagage quand même. Vous savez, maintenant j'ai vite compris que, à un moment donné, et c'est à ce niveau-là, on me dit, bon, je vais élaborer, en quelque sorte, un discours autour de la problématique de domination et du contrôle. Et puis, on va prendre deux auteurs, deux philosophes, deux penseurs occidentaux, et puis un penseur français avec un penseur américain, Noam Chomsky, Chomsky, avec Michel Foucault, autour de questions qui ont rapport avec domination et contrôle. Oui, en fait, en réalité, nature, débat, essence, échange, mes égards avec camarades, là, c'est de domination liée, c'est domination et contrôle. En réalité, mais, thématique, là, pas centré, en quelque sorte, pour expliquer phénomène de contrôle et de domination. Ceci étant dit, maintenant, pour m'entrer dans une dynamique de clarification conceptuelle, pour clarifier conceptuel et puis centrer débat, pour me permettre de canaliser vision monsieur, et puis inscrire nos perspectives beaucoup plus larges et globales, et même épistémologiques, de façon à ce que nous comprenions schématisation qu'a traversé et dynamique de compréhension qui, que moi-même, à Zambi, a débattu là. Mais c'est fait, hein. So, c'est même mécanisme, ça y est, de contrôle
et de domination qui expliquait le phénomène. Maintenant, ceci étant dit que il est avéré que forme de résistance majeure que me confronté dans dispensation de connaissance et de savoir que m'a fait m'a bail là et qui expliquait incompréhension de la part de monde qui t'a supposé bénéficiaire premier bénéficiaire en quelque sorte, c'est résultat direct mécanisme de domination et de contrôle. Et en gros, c'est ça. Maintenant, les messieurs font référence avec Diogène, qui t'a philosophé à travers le comportement. Oui, c'est une façon pour Diogène, non seulement de la révolter, mais c'est aussi une forme de d'échappatoire hein, pour l'échapper à contrôle et domination société. Le comportement de Diogène, cette philosophie du cynisme. You know, and les traduit par une forme de non-conformisme, anti-conformisme. Vous voyez, et là, je viens de me compte que pour me faire live ça aujourd'hui, je me dis non. Il faut que malmanier deux necks à eux qui c'est Michel Foucault avec Noam Chomsky et Chomsky. Et tous les deux necks à eux, en quelque sorte, ce sont des penseurs, des philosophes de gauche. Et necks à eux racine à le fondement philosophique necks à eux, qu'on est, ils sont matérialistes, en quelque sorte. Et maintenant, il est vrai que je suis d'accord sur quelques points, mais je suis en désaccord aussi sur la construction du pouvoir et mode d'exercice pouvoir yo, en dedans de société via les institutions. Et à ce niveau, Michel Foucault, contrairement avec Noam Chomsky, Chomsky, clair que, en quelque sorte, ce ne sont pas les institutions de type gouvernemental seulement qui, en quelque sorte, détenteurs de pouvoir. Mais il dit que, faites attention, il y a des institutions qui, en apparence, paraissent neutres, mais ils sont pas neutres. Mais aussi, ce sont des outils, des instruments de pouvoir, que classe dominante a utilisé en quelque sorte pour maintenir l'état des choses. Et contrairement avec Chomsky, qui lui-même mettait plus l'accent bien sûr sur les institutions économiques comme véritables outils, hein, véritables outils de contrôle et de domination de masse, c'est-à-dire les corporations. Mais faut comprendre qu'à ce niveau-là, ok, à ce niveau-là, monsieur, et Michel Foucault, beaucoup plus abordé problématique domination, hein, à travers une forme de dissémination du pouvoir, de domination et de contrôle, via des institutions d'autre nature qu'économique. Telles que, il parlait des institutions sociales, d'un coup, la famille et même culturelles. Que le pouvoir, en quelque sorte, l'utiliser d'autres institutions, ça, en quelque sorte, pour maintenir l'état des choses, conserver le statu quo, et c'est travail majeur, ça, que classe dominante, là, économique dominante, là, qu'aimait. Et ceci inscrit toujours dans la dynamique de rapport de classe qui expliquait et rapport de classe et qui existait dans nos sociétés structures et sociétés et capitalistes et occidentales. Maintenant,
C'est la nation. Maintenant, ceci étant dit que le comportement si nèg doit être gagné vis-à-vis de moi-même, en tant qu'intellectuel, contrairement au savoir, un intellectuel c'est un engagé. Il n'y a pas d'intellectuel, c'est un engagement. En tant qu'intellectuel, comportement, si nèg doit être gagné vis-à-vis de moi-même, il faut que moi inscrit comportement ça dans cadre social, parce que c'est un comportement qui construit, donc c'est la fabrication en quelque sorte d'un comportement, c'est un comportement qui fabriquait. Son comportement que le système n'a fabriqué. Maintenant, ceci étant dit, à ce titre, il serait absurde de ma part, en tant qu'intellectuel engagé, de ne pas être à la hauteur pour m'appréhender le comportement de à travers Spring Prince. Idéologie et conception, rapport de classe qui existe dans la société haïtienne. Ceci étant dit, puisque l'ignorance que m'a parlé de l'IA, c'est une fabrication sociale, l'ignorance dont il est question est une fabrication sociale dont l'objectif ultime vise à dominer et contrôler la masse. C'est ça. Bon, c'est good. Oui. Quête. Waouh. Mais espérez que nous comprenons côté ma monter là. Guys. Oui. Alors, attention. Merci. Attention. Il y a un cheminement. Alors, je suis non dynamique, m'a suivi, l'esprit m'a suivi, le cheminement. Écoutez bien, faites attention, ceci est important. Alors, il faut me dire nous clair. Et ce serait odieux de ma part, en tant qu'intellectuel, pour m'acculer d'une certaine manière le comportement de la masse vis-à-vis de ma personne. Considérant un considère, premièrement, que le comportement n'est autre que le résultat d'un système social
2. Construit à partir de l'ignorance. Et l'ignorance, là, les fabriquer. C'est une fabrication sociale voulue pour faciliter la domination et le contrôle de masse. Maintenant, je reviens, me retourner sur le parabole Jésus. Attention, me retourner sur parabole Jésus. Me redéfinir frère, non? Me renverser paradigme. Qu'on y a là, me retourner, qu'on y a sous problématique par rapport au Christ. You know, and, ou pas, guess what? Et c'est là toute problématique, là, sorti. Maintenant, reformulons la question. Pour qui raison? Pour qui raison? Chemin obligé sorti, les semer, non là, les semer quand même dans terre. Est-ce que c'est pas ignorance? Ou bien est-ce que c'était voulu? Parce que le semeur, en quelque sorte, il y a une dimension ontologique dans le comportement du semeur qu'il faut cerner en tant que philosophe. Parce qu'il y a une intentionnalité derrière le comportement du semeur. Et cette intention, en quelque sorte, lui vise à exposer quelque chose. Vous voyez? Maintenant, est-ce que ce semeur a gaspillé ce mention? Est-ce que ce maire-là lit ignorant? Il agit par ignorance? Non, ou bien est-ce que le semeur a intentionnellement semé dans terre? Et c'est là, si le semeur pas semé dans terre, comment t'as fait qu'on est qu'elle vrai, qu'elle dit vrai? Comment t'as fait qu'on est? Je dis vrai. Le semeur n'est pas seulement un semeur, mais le semeur est aussi un acteur. Il cherche à éveiller les consciences. Attention. Il cherche à éveiller la conscience. L'homme éveillé conscience en tant qu'intellectuel ou pas ciblé audience. Lorsqu'un intellectuel engagé pour la libération de la conscience populaire ou pas sélective du tout pas. Il est impossible pour sélectif de la dispensation du savoir et de la connaissance qui vise à libérer la conscience populaire.
faut semer l'évangile de libération en l'évangile Bossala dans toute zone net, quel que soit le prix. Il faut que l'évangile Bossala semé quel que soit. Au prime abord, hein, aux yeux de pile monde, la paraît comme un acte de folie. Parce que c'est pas wise, c'est pas intelligent, c'est pas sage du tout. Pour qui raison? Parce que connaissance à ça, avec savoir à dispenser à peuple à poco prêt pour lui. Maintenant, si tel est le cas, c'est normal pour considérer ce mec-là comme un monde qui fou, parce qu'il était supposé faire un travail préalable. Oui, parce que s'il était fait un travail préalable, d'après le raisonnement, la logique, le bon sens, d'après la logique, le bon sens, s'il était fait un travail préalable, il t'a identifié nature terre, et à partir de là, il t'a beaucoup plus sélectif, non, côté la blague et semence, qu'on a dit, oh oui, semer là, sorti pour le semer, mais, en quelque sorte, il choisit spécifiquement Tessa, parce qu'on considérait Tessa, c'est lui qui est beaucoup plus approprié pour recevoir semence, liant, liquider notre semence, pour continuer. Non, mais à ce niveau-là, le semeur viole pour principe de départ. Maintenant, le semeur, à ce niveau-là, lui inscrit, lui accepté paradigme dominant, la pensée dominante de la société. Parce que à ce niveau-là, le comportement du semeur est lui-même aussi. Est lui-même conditionné par le système. Parce que puisque système n'a créé les conditions nécessaires pour que, en quelque sorte, ce mal-là passe même à Mounzao, c'est ça. Système n'a fait même. En quelque sorte, le système a construit, a fabriqué de l'ignorance au sein de la masse pour empêcher la libération même de la masse. Gorosé. Maintenant, si le niveau d'éveillement et d'intelligence, perspicacité, raffinement qui est la caille intellectuelle, ça, il pas pointu au point pour lui pas tomber dans piège système, non. Pour ne pas tomber dans piège système, non. Pour ne pas devenir sélectif. J'y vais. Maintenant, revenons encore au choix de Barabbas. Présenté Barabbas et Christ. C'est pas pour sa raison. Le système a voulu démonstratif de son pouvoir de domination et de contrôle. Écoutez bien.
C'est une façon pour le système de craser morale intellectuelle. Moun qui est engagé. Le système se veut démonstratif lorsque les vina Barabbas et puis les conditionner le comportement de la masse qui, en autre, à partir de l'ignorance fabriquée, choisit Barabbas. Le système a voulu être démonstratif. Et le pire, un tel comportement, les visées qu'ils ont, a créé une portée pessimiste. La caille moun qui a engagé révolte. Et quel a été le comportement du Christ? Et c'est là tout le problème, là. Christ pas pipé mot. Il va dire un mot. Et le Christ a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le peuple, la masse, est victime d'une ignorance fabriquée. C'est l'intelligence supérieure du maître. C'est l'intelligence supérieure du maître. Loin d'être rancunier. Listen. Loin pour monsieur. Ta dit peuple ça sort imbécile. Moi qui va manger, moi qui nourrir yo, moi faire miracle pour yo. Gardez yo choisi Barabbas qui soit assis. Listen carefully. Jésus, le Christ n'a pas voulu tomber dans piège système là. Il a fait preuve d'une intelligence supérieure du système. Il s'est levé, piro, et puis il dit, pardonnez-vous. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la fabrication de l'ignorance dont le peuple est victime. Il aurait laissé ça dans le peuple en bas en griffe, en domination, en contrôle systématique. Et il dit pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Maintenant, l'engagement du Christ, du libérateur, du messager, du semeur, n'est pas sélectif, ni conditionnel. L'engagement. Comme le dit pas là. Philosophie. Comme le dit pas là. Si l'engagement Christ, c'est de comporter mon peuple là. L'idée dépend de la décence. Si Jésus, engagement, te dépend de est-ce que le peuple a pral dit libéré ou bien. Non. Il n'y a pas expectation ou pas qu'à espérer
Moun qui n'a ténèbre, mande lumière. Il est possible. Ouais. Tout d'abord, j'ai avancé la thèse de mon ami, dans le cadre du débat que nous avons, hier ensemble, à téléphone, nous m'a avancé thèse, monsieur, qui consistait bien entendu à me mettre en garde vis-à-vis du comportement du peuple. Et puis, bon, écoutez, appuyez tous les arguments que monsieur était avancé pour supporter thèse d'Ian, et puis chantage, tout et tout. Et puis, de l'autre côté, parallèlement, et puis, conseil de sagesse qu'il t'a avancé avec, et puis, ça a été porté à réfléchir en quelque sorte. Et à ce niveau-là, il est obligé de dire, bien entendu, il fallait que essayer d'aller dans la dynamique pour essayer de comprendre davantage, parce qu'il y a une question d'engagement. La réalité, en réalité, ce qui était en cause dans le cadre du débat que j'ai eu avec mon ami, c'était le degré d'engagement dont il était question. Le degré de mon engagement vis-à-vis de mon peuple. C'est ça qui était question. Alors, il faut comprendre à ce titre-là, est-ce que mon engagement vis-à-vis du peuple, l'été dépend du peuple-là? Ou bien est-ce que l'engagement, moi, en quelque sorte, l'y aller au-delà du comportement du peuple? Non, un homme. Vous savez. Maintenant, quand la victime est devenue complice de son propre sort, voyez, un homme, en réalité, les messieurs font avant ces thèses-là. Hein? Bon, c'est une habitude nous gagner pour nous toujours débattre. Et puis, l'esprit d'un des gens perturbé quelque part. Et, il m'a fallu, il était pour moi du temps pour me réfléchir. Et de là, je m'interrogeais. Puis, je viens comprendre. C'est ça, femme, dis-nous. Et moi, je ne sais pas, j'aime beaucoup de raison. Moi, j'aime Jésus-Christ, non? Ouais, les amis, ça m'a parlé avec là. On a parlé avec hier. Alors, monsieur, qui est docteur Algonia, nous t'es l'école ensemble. À Paris, hein. Alors, moi-même, je vais dans master, je vais continuer, je suis allé dans le doctoral. Bon, écoutez. Maintenant. Monsieur va jamais comprendre.
je ne sais pas, je ne comprends pas la position en tant qu'un jeune intellectuel. Et puis, pour me toujours parler de Christ, Jésus-Christ, il n'est pas qu'à comprendre ce mélange de croyances et de sciences. Oui, la raison et la foi. Alors, il était toujours un peu perdu. Oui, et non. Et jusqu'à maintenant, malgré que je suis entré dans une doctorale, il est toujours une dynamique de compréhension totale, oui, pour le cerner. Maintenant, vous voyez, alors que il a fallu cette dimension christique, cette dimension christique. Pour me transcender. C'est là, oui. Je dis toujours dit, Nego toujours dit, ah, là, il y a un suspect de gombaga la caille qui me suit, qui a dit, Nego, faites attention. C'est pas une question de ça. C'est que, vous savez, la connaissance, en quelque sorte, c'est toujours. Il n'a pas de connaissance, en quelque sorte. Il faut faire très attention. C'est ça que fait. Toujours dit Nego et connaissance, des connaissances à connaissance, des connaissances en quelque sorte que qui s'est produit direct de l'esprit humain en tant que construction, en tant que production de l'esprit humain, c'est-à-dire un processus qui vise à élaborer un ensemble de concepts, de outils qui permettent à ce que nous gagnions ça les connaissances, ça sont des démarches épistémologiques, c'est-à-dire plus inscrit dans des démarches comment nous construire, élaborer connaissance en tant que connaissance, en tant que tel même. Maintenant, il y a connaissance en tant que révélation, c'est-à-dire connaissance qui vient à la portée, qui porte à votre conscience. Et connaissance, ça, lui-même, lui donne l'autre portée. Cette connaissance, lui ouvre sous conscience. Connaissance, ça, lui difficile, ou pas qu'à connaître comment l'élaborer, parce que c'est à conscience ou le porter. Ou pas qu'à paraître sous lui pour dire connaissance, ça, ou bien contrôlé. Non, connaissance, ça, ou pas qu'à bien contrôlé, parce que c'est une connaissance qui n'est pas élaborée à partir de l'esprit. Ok, lui juste ou porter à votre conscience. Et connaissance, ça, est destiné aux initiés, est destiné à des élus, monde qui en quelque sorte choisi. Et mode de connaissance, ça, ou pas qu'à accéder à elle à partir de la raison, est impossible. Ou pas qu'à raisonner parce que connaissance, ça, n'est pas démonstrative. Cette connaissance n'est pas démonstrative. N'est pas démonstrative dans le sens que, écoutez, rationnellement, on va le démontrer à partir d'un ensemble d'argumentations, de faits, de ceci, que A plus B de façon logique et cohérente. Non, non, il échappe, il est complètement échappé à mode. Et à ce titre-là, il faut comprendre que mode de connaissance, ça, d'autres natures, d'autres ordres, ceci étant dit, il est difficile pour essayer d'aborder connaissance avec les mêmes outils opérationnels, mêmes outils où tu es habitué pour aborder le monde naturel. Ceci, c'est de autres ordres, complètement différents. Maintenant, pour le monde qui beaucoup commence, qui fait commencer à rentrer dans la discipline, surtout là, et qui domaine qui n'ira pas tout le temps. Écoutez, tout ce qui est de toute connaissance est de l'ordre discursif. Que ce soit discours, ça a l'air prend forme de mythe. Dans l'Antiquité, c'était les mythes. Il prend forme de mythe, les grands récits mythiques, d'où les mythologies. C'est les grands discours. Mais discours, ça y est, il y avait une rationalité là-dedans. Il y avait une pensée rationnelle cachée derrière les mythes. Parce que les mythes, en quelque sorte, ils ont visé à donner du sens, à construire du sens d'une façon pour maintenir la société dans une certaine cohérence. Il y a besoin de cohésion dans la société. Maintenant, c'était la visée même des mythes. Les mythes étaient là pour ça, pour donner du sens. Parce que l'homme est toujours en quête de sens. L'homme est un être naturellement en quête de sens. Il a besoin de sens à la vie, à l'existence.
L'existence dépourvue de sens. Mais je cherche à comprendre les raisons d'être des choses, les raisons, le pourquoi des choses. Et la première forme de réponse que l'homme va laisser bail avec cette question existentielle, c'est les mythes, les récits mythiques, les grands récits. Dans la mythologie antique. Deuxième élément, c'est que lorsque tu mis, tout tombe dans la religion. Tu tombes dans la mythologie, après tu tombes dans la religion. L'invention des religions, en quelque sorte, c'est en quelque sorte c'est ce sentiment, l'homme isolé, face à la nature, est en quête de lien. Ah oui, pour l'homme a cherché le lien. L'homme parlait de religion, c'est le lien qui existe entre l'homme avec le Dieu, ça nous est les dieux en quelque sorte, le monde invisible, chercher lien, la création de lui, il va l'apprendre à travers des rituels, c'est là, il va le créer des liens, pour donner, on prend, la chercher du merveilleux, la chercher du, ça nous est les, ceux qui sont de l'ordinaire, pour comprendre, pour éblouir, épater imaginer. C'est peut-être ça, le miracle qui a eu lieu dans la religion. Le rituel de tout qui a eu lieu dans la religion. La deuxième forme. Voilà. Après ça, vous avez l'avènement de Logos. Voilà. La raison, en fait. La raison, cette raison-là est différente. C'est la raison métaphysique, en quelque sorte, la métaphysique rationnelle. Là, il est démonstratif. C'est comprendre et chercher à expliquer. Le monde. J'ai expliqué le monde de façon rationnelle. On cherche les liens de causalité qui existent entre les choses. Maintenant, c'est l'objet, en quelque sorte, de la raison. C'était le monde cosmique, le physus. Le monde cosmique. Le monde, comme on dit cosmique, le cosmos, c'est-à-dire le ordre. C'est-à-dire qu'il y aurait concevoir le monde comme un ordre, organisé. Il y a des lois, il est régi par un ensemble de règles, de lois qui permettent que, en quelque sorte, l'on maîtrise ou qu'on noie ça et on vive en conformité. C'est-à-dire que l'homme, en quelque sorte, a cherché à comprendre les lois, les mécanismes qui, en quelque sorte, déterminaient le comportement de l'ensemble des environnements naturels, l'univers qui entoure. A cherché la rationalité en dedans l'univers. Ouais, là, petit à petit, progressivement, on n'a pas marché. Maintenant, l'invention, on parle même de l'invention. Maintenant, là, tout ça, c'est problématique dans la mesure où, nature, culture inscrit les récits, les mythologies, la religion, tout en tant qu'invention humaine dans le spectre. Ça, oui, les cultures, là. Il est difficile maintenant pour savoir que la culture, en tant que telle, est le produit de l'esprit. Mais maintenant, comment, à ce niveau-là, si la culture est considérée comme étant le produit de l'esprit humain, à quel degré, à quel niveau, capable de dire que l'esprit humain lui-même est découlé directement de la culture? Maintenant, mon problème, quelque part, c'est un problème, ça, c'est un problème d'ordre anthropologique majeur qu'il faut d'abord soulever. Maintenant, si la culture est le produit de l'esprit humain, la croyance, religion, tout et tout, mythologie, tout ce que nous avons comme culture, que ce soit au niveau universel ou bien de façon relativisme dans les différentes sociétés, tout et tout, c'est l'homme qui invente ou qui vit avec eux, maintenant l'esprit humain, maintenant tout. Donc, comment l'esprit humain fait venir à l'existence? Parce que pour parler de culture, il faut une conscience. D'abord, il n'y a pas de culture sans conscience. Parce que la culture, c'est l'empreinte d'une conscience. Que ce soit une conscience collective, quelque sorte, c'est ça la problématique. Et sous dit conscience, en quelque sorte, vous entrez dans une dynamique de liberté. C'est-à-dire il y a une volonté. Il y a une intentionnalité, il y a une. La conscience, c'est l'expression, en quelque sorte, d'une ontologie.
Dans oui, naturally, ontologie, est-ce que c'est transcendantal? Ah oui. Non. Est-ce qu'on peut retracer, bien entendu, à partir de bios là? C'est-à-dire neuro, neurologicio, neurologio, neurosciencio. On retrace d'où la problème, problème de cognitif, des sciences cognitives, la biologie. Alors, à ce niveau-là, on détermine. Comment, à partir d'une détermination, on exerce une liberté et une conscience? Problématique. Problématique. Et tout problème ne s'arrête. Et c'est tout problème comme Sheila et comme Ski confronté en tant que grand intellectuel. Ni Foucault, ni Kamsi, ni Bourdieu, ni ceci, toute la pensée gauchiste, toute la pensée, tous les intellectuels de gauche qui ont des racines matérialistes, philosophie matérialiste, ils sont tous confrontés avec cette même réalité problématique. Et là, problème a commencé. Pour yo. Et c'est limite, yo. Ah oui. D'où l'origine des idées abstraites. La problématique de l'origine des idées abstraites. Est-ce que l'idée nous prend racine dans un au-delà, indépendamment de l'existence humaine? On parle d'inspiration à ce niveau. Ou bien, est-ce que son base matérialiste, c'est-à-dire biologique, physiologique, cognitive, pour retracer, bien entendu, l'origine des idées. Oui. Non, tout ceci est fondamental. Fondamental pour nous comprendre. De fait, il rappelle ça pour nous, surtout pour étudiants qui fait commencer en philosophie. Donc, voilà, entre les deux grands courants, on va parler du système, les deux grands systèmes donc, qui ont gouverné la pensée occidentale, ce dualisme, en quelque sorte, spiritualiste et idéaliste, métaphysique, avec le matérialisme. Bon, matérialisme, biologiste, naturaliste, oui, tous ces grands, le grand courant, cette dichotomie qui existait, ce dualisme aveugle qui gouverne la pensée de l'Occident, contrairement à la pensée orientale et la pensée africaine. Et là, je dis la pensée africaine dans le sens de la philosophie africaine. Oui. Oui, épistémologie empirique en quelque sorte, mais l'empirisme, oui, maintenant, pour t'as dit l'empirisme, maintenant, ok. Maintenant, si c'est à partir de l'expérience, quoi faire pour découler l'origine des idées, c'est-à-dire confronter. Maintenant, comme qu'on a, il faut expliquer le mécanisme par lequel l'élaboration des concepts actuels est abstrait. C'est là le problème. Là. C'est pas l'expérience c'est une, mais conceptualisation, c'est deux. Et là, c'est le processus, c'est le mécanisme hein, qui est problème, qui est problématique. Oui, David Hume confronté à la même difficulté. Hein. Même l'empirisme anglais confronté à cette difficulté. D'où la problématique de l'origine de la morale. Ouais. Maintenant, la nature humaine vit une problématique, donc. Problématique, you know. Mais c'est comme ça. Aïe. Go étudiant qui est libre, je dis, alors, on t'y parenthèse, et puis il a parlé, monsieur dit, prof! Il dit, monsieur, ça te passe.
Je dis poivre. Vraiment en pile. Il dit ça gay, ça gay. Il dit poivre. C'est quoi normal? Il dit ça passe, ça passe. Il dit poivre. Ah bon, comment tu peux me dire merci en pile, en pile, en pile. Il dit moi, dis-moi, oui, non, bleu, ne pas là. Mais... Je dis poivre. Ouh, poivre. T'es bien, bien, bien. Et du pauvre, quand il m'a parlé dans mes temps, tout le monde a demandé qui côté m'teye, qui le colbale, m'chita, a parlé dans mes temps, tout le monde. Il dit pauvre, et moi, le poudou qui travaille, ou mec, après, mais bon. Il dit pas, moi, non. Il dit pas, y'a là, là, où c'est Christ qui fait travail, là, où c'est pas, moi. Il dit pauvre! Il dit pauvre, quoi, 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 ma vie de bête, en train de tirer en bête! Il dit, bon, écoutez. Il dit, mon cher, pour un peu, il dit pauvre! Mouvais malaise! Il dit oui, bon, écoute. Il dit mettre, là, il dit moi. Mais c'est bien, bah écoute, Bitcoin. Alors, à la cause, il dit écoutez, bon, écoutez. Il dit c'est tout gloire pour Christ. Tout gloire pour Christ. Et, gros travail, quelque part, qui suppose comment c'est fait. Vous comprenez, so, ça te fait plaisir dans des missions matin, hein, au moins. Et ça m'a encouragé tout, en quelque sorte. Ça m'a encouragé. Et comment ça va facile? Écoutez, si le travail est aussi facile, nous, comme dit nous ça, nous-mêmes, beau salut, nous choisissons le chemin qui est plus difficile là tout. Anyway. Mais faut nous clair sur ça. Si nous avons choisi le route qui est plus facile là, nous avons pris, bah, nous n'avons pas été l'autre genre. Chemin facile, nous avons nous, le monde qui choisit. So basically, nous choisissons chemin qui est difficile, là, il m'a dit courage, il m'a dit détermination, il m'a dit volonté. Il m'a dit volonté, il m'a dit courage, il m'a dit détermination. Il y a des qualités, des forces morales, nos besoins qui vous permettent nous avancer. C'est cocosé. C'est cocosé. You know. And, puis là nous décourager, puis là nous décourager et moi mais nous en pile, moi mais nous en pile, il m'a dit en pile courage, il m'a dit en pile volonté et chemin nous en pile long parce que nous choisissons chemin qui est long dans tout et mais les plus surtout, et c'est les vrais à tout, so, nous pas chercher bah qui facile, nous pas chemin qui difficile yo. Et peut-être ça l'université Bossala là tout. L'université Bossala là l'a préparé nous. Donc, puis l'étudiant dans l'université Bossala, l'étudiant a commencé à prendre un pile de travail à faire. Moi, je nous en pile. Je mets nous en pile. Pas découragé. Petit à petit, on a posé des pierres. Et puis jusqu'à la construction finale de l'édifice. Côté que nous tapons chita pour nous élaborer avec Christ comme pierre angulaire. Et... c'est un bagage qui est important pour apprendre à connaître. Il y a un bagage tout, un peu le monde va comprendre. Puis il va comprendre aussi des bagages. En tout cas, I love you guys, pas découragé. Moi, mais nous en pile. Moi, mais nous en pile. Kembe là, en pile d'amour pour nous, en pile d'amour. Et pour fin d'année, là, je vais nous dire, basically, passez bonne soirée, I love you guys, Kembe là, ciao, paragi, en pile d'amour.